Chers compatriotes togolaises, togolais, c'est avec stupeur que nous avons tous été informés le samedi 28 novembre 2020 de l'interpellation incomprise de Madame Brigitte Adjamagbo et de Monsieur Gérard Dodji-Yaovi Diossou, tous membres de la DMK. La tentative de déstabilisation de l'État évoqué par le procureur de la République, M. Essolizam Poyodi, a bouleversé plus d'un d'entre nous. Le Front des architectes de la République, FAR, par ma modeste voix, se joint à toutes les entités politiques, aussi bien que les mouvements de la société civile, pour manifester son indignation et son inquiétude face à cette situation. Pour cela, nous souhaitons que le chef de l'État, M. Faure Essosimhen Gnassingbé, se saisisse personnellement de cette affaire afin d'éviter toute forme de politisation. Nous demandons également aux autorités judiciaires d'éclairer la population togolaise sur les éléments irréfutables du chef d'accusation évoqué. Pour finir, nous plaidons auprès du chef de l'État la libération immédiate des deux citoyens interpellés afin d'éviter la psychose que cette affaire crée au sein de la classe politique en particulier et de la population en général. Que l'état de droit prime sur l'état de police dans notre pays. C'est cela notre souhait et nous espérons que le bon sentiment prendra le dessus. Je vous remercie. Fait à Lomé le 30 novembre 2020 pour le phare, Johannes Bavon.